I need more power. Salut tout le monde, c'est Judai et on se retrouve encore sur du Devil May Cry 4 spécial édition. Et donc on se retrouve sur l'endroit où on s'était quitté la dernière fois. Vu que c'est là que c'était arrêté la mission la dernière fois après qu'on ait eu le pouvoir. Du coup maintenant on va pouvoir bouger les gyrolames. Pff, oh là là. Va devant, putain, arrête de faire chier. Oh là là, ça me pète les couilles ces trucs là. Parce que ça va dans n'importe quelle direction à chaque fois, vous savez pas. Donc vous le sachiez, c'est la deuxième fois que je réessaie avec ce truc. J'ai fait la mission juste avant, mais j'arrivais pas déjà à trouver comment rassembler les 4 gyrolames de la même pièce. Mais je pense finalement que peut-être que c'est celle-là en fait qu'il fallait que je ramène avec moi. Sauf que là, c'est un peu dur de les faire passer par une porte. Il n'y a même pas l'espace pour passer là. C'est impossible. Est-ce qu'il y a une autre gyrolame qui est quelque part? Où est-ce qu'il y en aurait une autre? Il est possible que j'en ai vu une autre, mais c'est que je me souviens plus là. Où est-ce que j'ai vu une gyrolame? Où est-ce qu'il faut que je retourne? Je sais pas. Et là, vous voyez bien que ça passe pas la porte, quoi, c'est clair. Oui, j'aime bien perdre du temps comme ça, c'est... Putain, je suis censé faire quoi? Où est-ce qu'il faut que j'aille encore? Ah ouais, ça se recharge plus rapidement, je crois, en fait. Ok. Je me dis que si on peut monter là, c'est que peut-être il y a une utilité. Non, non, je crois pas. C'est juste les décors, ok. Mais qu'est-ce que je dois faire là, putain, ça va mieux. D'ailleurs, si je le recommence une deuxième fois, c'est parce que j'ai essayé un petit truc un peu bête tout à l'heure. J'avais essayé de passer la boule de feu tout seul, mais elle m'avait fait crever et du coup, voilà, j'ai dû recommencer la mission. Ok, d'accord. Je crois avec lui on peut juste le choper en fait. Et que si quand lui il veut frapper, on lui fait juste des coups normaux, en fait ça lui fait que dalle. Enfin, ça lui fait peut-être quelque chose, mais genre ça l'empêchera pas de nous donner un coup quoi. Alors toi, je sais qu'il faut que je te ramène avec moi. Ah non,
attendez. Non, celui-là, c'était celui qu'il fallait que j'utilise durant la mission pour les vaincre, peut-être. Parce que là, on peut pas le ramener, vu qu'il y a des portes normales, là. Putain, mais qu'est-ce qu'on est censé faire? C'est moi le je sais pas quantième que je rencontre. Ça détruit pas la porte, donc ça veut dire que je dois la laisser là, d'accord. Peut-être le cercueil bleu, mais le cercueil bleu je l'ai détruit et au final ça m'a servi à rien. L'anima Mercury est en harmonie avec le cercueil bleu. Le cercueil est en train d'invoquer l'anima Mercury. Alors là c'est là où j'étais tout à l'heure. Je fais le tour histoire d'être sûr de ne rien rater. Mais je crois que j'ai rien raté. Hein. Oh putain. Excusez-moi. Souvent quand je commence à stresser un peu, je fais ce bruit. Quand quelque chose me fait chier. J'aime pas trop les espèces d'énigmes où tu dois chercher pendant 1000 ans pour trouver ce que tu dois faire quoi, putain c'est chiant. Hein, je pense que ça c'est sûrement, vu qu'il y a les 4 points là, je me dis que ça c'est sûrement le truc qui va être déverrouillé une fois que j'aurai réuni les 4 4 statues dans la même pièce. Par contre, je me souviens plus de quelle pièce est-ce que c'était. Alors, c'est par où? Celle-là c'est facile, pour comment la... mais pour les autres je comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire putain? What? Mais comment il a réussi à me toucher ce connard? Ok, ok, ok. Tu sais, putain! Yeah.
Mais là, c'est de là où je viens, j'ai rien raté, j'ai déjà fait tout ce qu'il y avait à faire ici, n'est-ce pas? C'est quoi ça? Ça veut dire que. Est-ce que les brise-lames peuvent briser ce truc? Et comment je fais pour en apporter. Ah, il y en a une là-bas, c'est vrai! Ça veut dire que c'est celle-là, la quatrième? Mais comment je suis censé faire pour. Là, je comprends pas. C'est sûrement celle-là, la quatrième. Mais comment est-ce que j'accède à cet endroit? Je peux pas sauter parce que sinon je me prends les aiguilles en haut. Est-ce que, une fois que j'aurai mis les trois, est-ce que celle-là, ça va se libérer tout seul ou. Non, je pense que c'est l'espèce de truc qui est tout là-bas, mais comment je fais? Parce que c'est obligé, si la statue elle est enfermée, c'est pour une raison. Comment je dois faire ça? Comment je pars d'ici? Oh, c'est pas ça que je veux. Bon, d'abord occupons-nous de celle-là et après on ira s'occuper de l'autre. Mais bon, je comprends pas là. Qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire que peut-être que pour libérer l'autre, il faut en fait que je brise l'espèce de tour bleu là. Mais non, mais. Putain, fais pas chier. Que dois-je faire? Où dois-je aller?
Ah, mais il y en a une ici aussi. Il y a une statue là-bas avec. Avec un truc comme as là, le truc bleu là-bas qu'il faut frapper. Il y en a une ici aussi. Oh, c'est pas ça. Qu'est-ce que je dois faire? Ouais, putain de puzzle quoi. Je suis de retour ici. Qu'est-ce que je dois faire, putain? Ah, c'est chaud là. Oh merde, fais chier, putain, il m'a gâché mon combo, ce connard. Mais pourquoi il n'arrive pas de cibler celle-là, il veut plus cibler l'autre. Même quand je me retourne, il veut pas. Je me dis que peut-être que si on s'y prend bien, on peut réussir à sauter jusqu'à l'autre espèce d'interrupteur là, je sais pas. Parce qu'il est pas là pour rien quand même, c'est obligé. Ah putain. Merde. C'est impossible. Je pense si je devais y aller, ils auraient pas fait ça aussi dur quand même, non? Oui, putain. En plus, je me suis fait mal. Je devrais regarder sur internet, hein, je sais pas, parce que là, c'est chaud.
chaud là. Je sais pas ce que je dois faire là, je comprends pas. Aucun indice, juste. Oh, putain, toutes ces zones, tu sais pas trop laquelle t'es censé faire, laquelle t'es pas censé faire. Mais pourquoi là il me parle d'une porte? Y'a pas de porte là, y'a rien. Qu'est-ce que je dois faire, putain? Oh mais... Attends, je suis sérieux moi? Là, je suis con. Il y en avait juste un là quoi. C'est bon? Wow, wow. Ah c'est bon. Ah ok, il faut juste que je sois derrière lui quoi. C'est quoi ça? Ah ok. Exécuter 5 un buster aérien 5 fois sans toucher le sol. Un buster aérien, c'est quoi ça déjà? Franchement, je me la ferai une autre fois parce que là, non. Buster aérien, c'est quoi ça déjà? Est-ce que je l'ai au moins? Buster aérien. J'ai pas de buster aérien. Buster. Ah ok, c'est un buster. Mais sans toucher le sol, par contre, ça va être chaud, non? Bon,
stylé quand même, non? Tant que je fais continuer, vu que c'est une mission secrète, j'aurais pas à recommencer normalement. Donc ça va. T'entends le coup. Comment vous voulez faire ça? Mais c'est possible ça de faire un buster aérien? Ah, attendez. Je crois pas que ce soit possible hein, pour l'instant. Peut-être qu'il faut d'abord que je débloque l'habilité ou je sais pas parce que là... Là je vois pas ce que je suis censé faire en fait. Je crois même pas que je puisse faire un buster aérien. C'est quoi ça un buster aérien? Je peux pas... Ah si je peux choper les gens apparemment. Ok peut-être... Oh merde, j'étais presque en plus. Attendez, hop. Mais c'est impossible de faire 5 busters aériens sans toucher le sol, non? Comment je faisais faire ça? Bon, vous savez quoi? J'essaierai plus tard. Franchement, j'essaierai plus tard. Parce que là... Je crois que j'ai pas le choix en fait, soit je crève, soit je... Soit je le fais quoi. Comment tu veux que je fasse un buster aérien 5 fois sans toucher le sol? J'essaierai une autre fois, j'essaierai de recommencer la mission et je le ferai plus tard. Parce que là c'est assez chaud quand même. J'ai risque juste de perdre du temps donc je le ferai plus tard, ouais. Ah, je crois là je suis vous savez quand j'étais dans le hall là où j'étais en train de traîner là le hall il y avait les trois trucs mais là il y avait un côté de la cage où on pouvait pas accéder et ben je crois que j'y suis là. Une fois qu'on sait ce qu'il faut faire, bah ça va. Et bon, quand tu sais pas, tu cherches pendant un moment quand même. Ouais. Non mais, va par là. Par là, voilà. Non mais... Ils
sous moi là, non? Comme j'ai déjà dit, je déteste les endroits où je peux pas bouger ma caméra. Tout le point de vue là, il est dégueulasse en plus. Voilà, ça c'est fait. Il y a sûrement un boss qui nous attend. Qu'est-ce que je disais? Oh, je sais ce que c'est. Voilà, c'est lui le vrai. J'ai cru qu'il allait me bouffer, sérieux. Il est dégueulasse en plus. Je vais bien arrêter de me vomir dessus. Oh merde, putain! What? Ah, j'ai plus d'objets carrément. Non mais ils sont pas sérieux là. Normalement quand on utilise des objets contre un boss et qu'on fait continuer, ils considèrent qu'on les a pas utilisés. C'est pas ça? Oh putain. En fait je crois que je vais remettre en humain parce que j'ai... Après tout, ils disent dans le jeu que l'humain c'est pour les nouveaux et que les autres c'est pour ceux qui ont déjà fait le Devil May Cry. Et vu que j'ai pas fait Devil May Cry jusqu'ici.
comme en plus je suis un bolos. Donc ouais, finalement c'était pas mal d'avoir pris le sprint hein. Si j'avais pas déclenché le sprint là, je me serais fait prendre dans son attaque. Non! Dégage, dégage! Je peux rien faire en fait. Quand je suis gelé comme ça, je suis dans la merde. Oh putain, c'est une blague! Oh putain! Il est carrément plus vivant. Non! Oh putain. Oh putain.
Ah là c'était chaud putain. Ce genre de jeu, vers la fin le boss devient plus fort et... Waouh. Rien que le fait de le voir devenir rouge comme un, c'est franchement flippant, je vous jure. Ouh. Ah putain. T'as entendu ce qu'il a dit? Vite. Hors de question que j'en affronte d'autres des Kamas. En plus ils sont déjà rouges. Non merci. Kadrav Rusalka, morceau d'antenne provenant d'un démon Baël, confère une nouvelle source de pouvoir. Putain, ce combat de boss, je vous dis pas. Il était chaud. La porte qui s'est ouverte, elle était où? Là, je reconnais, c'était pas terrible ce que j'ai foutu là. Ah, je suis vraiment une merde. Bref, au moins j'y suis arrivé. Allez, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, un petit pouce. Si vous avez des astuces aussi pour moi, franchement, et que vous avez déjà joué au jeu, je vous dis, franchement, ce serait cool. Waouh, quoi. Bon là ça va, j'ai réussi à comprendre un peu qu'il fallait en fait s'approcher de lui, il fallait pas le laisser à distance et tout parce que voilà, sinon il vous fait le souffle et tout. Et franchement là je regrette pas d'avoir pris le sprint parce que plusieurs fois j'ai failli me faire geler par son espèce de truc de merde. Mais comme il avait commencé à sprinter, j'ai réussi à éviter quoi. Et donc voilà. Oh putain. Je pense d'abord rester en... Je vais rester en demi, enfin en chasseur de trucs comme difficulté. Si franchement j'arrive en chasseur de trucs, c'est cool. Parce que j'aime pas trop faire en facile. Je préfère rester en normal la plupart du temps, mais après je cherche pas non plus du difficile parce que moi la difficulté franchement c'est pas pour ça que je joue au jeu. Je joue au jeu pour le fait que ce soit kiffant, que ce soit par exemple pour des beat'em all, tout comme ça, que ce soit comment dire défoulant, enfin que ce soit bien quoi, que ce soit kiffant à faire, c'est tout. Après la difficulté moi c'est pas le truc qui me... Mais c'est vrai que bon, il y a une certaine fierté quand il y a quand même un certain niveau de difficulté, vous voyez. Alors quand vous dites que vous avez fait en facile, vous dites oh, franchement voilà quoi. Du coup voilà, j'ai envie de rester quand même dans ce niveau de difficulté. On va voir après si ça devient vraiment chaud, mais je pense que je peux y arriver, donc voilà. Alors, je vous dis au revoir. Et donc voilà, hein. Ciao.